Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'avenir de cette chaîne YouTube. Puisque si vous avez regardé mon absence, enfin la vidéo sur mon absence, vous savez que j'ai une autre chaîne YouTube, beauté, lifestyle, etc. Donc je vous mettrai le nom ici si vous n'avez toujours pas été voir et si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon absence. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vais vous expliquer ce que va devenir cette chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le remarquer ou pas, je n'ai pas posté de vidéo de nail art, etc. sur cette chaîne YouTube depuis la vidéo de mon absence. Je sais pas, enfin c'est pas que je sais pas si je continuerai cette chaîne YouTube, mais je suis beaucoup plus ponctuelle sur l'autre chaîne YouTube, mais après si tout ce qui est beauté, etc. ne vous intéresse pas. Tant pis. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si je vais continuer à publier sur cette chaîne YouTube. Je vais la laisser sur YouTube, évidemment, puisque bon, ça peut toujours servir. Mais je pense publier, mais que quand j'en aurai envie, en fait, parce que, enfin, c'est pas que le nail art m'a saoulé, entre guillemets, enfin, c'est pas que je m'en suis lassée, mais presque. J'en fais presque plus. En fait, je me suis rendu compte que ma passion c'était vraiment les vernis et pas forcément le nail art à proprement dit. Donc j'aimerais bien faire du nail art, enfin je veux dire continuer à publier sur cette chaîne YouTube. Mais déjà, tenir deux chaînes YouTube c'est un peu dur et il faut savoir que les montages pour le nail art et tout ce qui est filmé, etc., c'est beaucoup plus long. Pour des ongles que en face caméra comme je fais là, donc comme sur l'autre chaîne YouTube. Le montage est beaucoup plus long, etc. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça prend énormément de temps. Vous imaginez faire un nail art avec le temps de séchage, etc. Ensuite, enfin bref, c'est extrêmement long. Donc tout ça pour dire que je vais être beaucoup plus ponctuelle sur mon autre chaîne YouTube. Donc c'est Basic Only, je vous mettrai dans la barre d'infos, etc. Ne vous attendez pas à une vidéo tous les dimanches sur cette chaîne, même pas toutes les 2 semaines. Je vais essayer de filmer quand je pourrai parce qu'il faut savoir que j'ai aussi le bac et là je dois vraiment m'y remettre en fait à réviser tous les jours ou presque. Donc voilà. Donc c'était juste ce que je voulais vous dire, enfin vous informer du futur de cette chaîne. Donc pour résumer, il y aura presque plus de vidéos. Du moins pour le moment, après je sais pas. Mais ça commence à me lasser le nail art. Donc voilà. Parce que je trouve que le nail art, si on fait 10, 20, 30 vidéos, d'accord. Mais après au bout d'un moment, en fait c'est toujours répétitif, c'est toujours la même chose. Et je vois beaucoup de youtubeuses de nail art changer un peu de. Enfin, pas de thème, mais je veux dire, elles font pas que du nail art, à part Simply Nail Logical, mais bon, ça c'est autre chose. Mais j'en vois beaucoup qui font autre chose que du nail art sur leur chaîne de nail art, mais tout en faisant du nail art. Je sais pas si vous comprenez, mais bref. Donc, c'était juste pour vous informer de tout ça. Je sais pas quand on se reverra sur cette chaîne. En tout cas, on se reverra sur l'autre chaîne du coup. Donc sur ma seconde chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!